Salut, samedi 18 juillet, il est 11h10, j'aime bien donner le jour et l'heure, ça situe bien les choses, et j'ouvre ce vlog de cette façon. Il ne le fait plus parce que j'étais en craquage, il est en train de me regarder avec ses petits yeux, genre trop mignon. Alors, déjà, je vous avais dit que je vous montrerais la courette éclairée de nuit, on est rentré du resto, j'ai zappé, c'est pas grave, je vous montrerai très certainement ce soir, ça rentre trop bien, même si on n'a pas fini la déco. En parlant de resto, ça fait 3 jours que nous allons dans le même resto parce qu'on a du monde à chaque fois et bon, c'est plus sympa quoi de sortir parce qu'on ne sait pas combien de temps on va pouvoir sortir. Ça sent pas très bon tout ça. Et ce midi, on retourne au resto parce que son frère, sa sœur viennent. En parlant de ça, il faut que je me calme vraiment sur tout ce qui est dessert. Là, j'ai pris des gros desserts au resto, rentrant, j'ai repris des glaces. Résultat, ce matin, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais ça pourrait. Pourtant, je ne suis pas diabétique, mon taux de glycémie en général à jeun est pas mal, mais je me suis réveillée, c'est pas la première fois que ça fait ça, hein. Avec la tête qui tournait, tous les éléments qui bougeaient, et c'était pas un truc orthostatique de positionnement quand tu te lèves trop vite, ça me le fait aussi, mais non, parce que j'étais allongée. À aucun moment j'ai bougé, je me suis levée. Et ben, ça fait flipper, donc je vais peut-être calmer le jeu avec le sucre, je sais pas, ça a peut-être rien à voir, hein. Ça me fera pas de mal non plus de façon de calmer. D'autant plus que ça fait bien une semaine qu'on n'a pas repris le sport. Ça craint. En plus, là, il va refaire très chaud. Et quand il fait très très chaud, je suis pas fan moi de marcher. Toujours des excuses. Voilà, donc ce midi, re-resto. Et j'ai reçu ce matin un gros paquet. J'étais au courant, hein, c'est la marque qui m'a proposé, m'a demandé si ça m'intéressait. Je fais très attention maintenant au partenariat. Je reçois énormément d'offres. Énormément d'offres de partenariat, mais la plupart ça me correspond pas. Soit c'est du dropshipping, soit c'est des trucs qui viennent de Chine et chelou, soit c'est des comme je vous dis, ça correspond pas. J'ai pas envie de présenter genre de produit, mais celui-là, et eh ben il me tentait pas mal. On va regarder. Je l'ai pas ouvert, je vous attendais. Tu te réveilles? J'avais mis le paquet en attente dehors. Et avant que j'oublie, parce que là, on était dans une dynamique de nouveautés, de rangement, de déco et tout. Là, le chiffonnier, je ne l'ai pas rempli. J'ai pas encore fait. J'ai pas eu le temps. On avait du monde tous les jours. Hier, nous avions encore de la famille. Donc, j'ai pas encore rangé le make-up, mais ça ne saurait tarder. Et le dressing, je pense que lui, il va le faire demain. Make-up, je vais essayer cet après-midi. Même si cet après-midi, j'ai le pour projet après le resto, je vais les laisser après tranquillou. Je voudrais aller chez Action. Peut-être soit pour faire un haul, soit pour compléter différents petits éléments. Et puis surtout voir ce qu'ils ont comme arrivage. Même si les arrivages chez Action, c'est tous les jours. Ça y est, t'es réveillé? Ça va mieux? T'as acquis les pieds-pieds? Il s'agit de ce paquet qui est très lourd, bien rempli. C'est mymuesli.com. Je vais me faire la moitié d'un café d'abord. Ouais. Je suis pas complètement réveillée. Oh, je l'ai pas vu, c'est trop mignon le petit cœur. Alors, on est sur une gamme quand même qui est 100% bio, sans arôme artificiel, sans conservateur. Regardez, hop, par rapport à ma main. Oh, ça fait plaisir. Elles sont immenses. Oh là là, mais ça donne vraiment envie. Alors, nous avons le Super Choc, donc chocolat. Nous avons Paléo Cocos Nus Crunchy. Tout doit être écrit, hein. Grana, donc granola. Ah, mais non, je suis con-con. Tu vois, on voit tout. Noix de coco, framboise, chocolat, donc chocolat blanc, chocolat noir. Oh là 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 là. Ça doit être du baie de koji ou. Et ça, c'est tout ce qui est un petit peu noisette, céréales. Waouh! Et le bol. Excellent. Et ça, ce coffret, regardez dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous commandez et que vous en avez pour au minimum 10 €, ce coffret vous sera offert en cliquant sur mon lien. Le lien sera dans la barre d'infos. Je le découvre avec vous, attention. Très très chouette. Donc voilà ce que vous pouvez recevoir des 10 € d'achat. J'ai envie de vous dire, ça vaut carrément le coup. Tu dois mettre ça avec du fromage blanc. Je me mets comme ça. Oh là là, celui-ci. Je vois des petits bouts de chocolat blanc. Moi qui viens de dire, faut que je calme sur le sucre. Et celui-ci qui m'intrigue, le chocolat. Ah oui, je les vois. Il y a des petites boules et tout. Je pense que dans ce genre de fromage blanc, ça doit être monumental.
Ça, en fait, tu peux l'emmener au boulot, tu l'emmènes partout, d'accord. Tu mets effectivement ton lait, tu as toutes les portions, ton lait, ton yaourt, et au-dessus, tu rajoutes ce que tu veux. Que vous vous rendiez compte quand même, par rapport à ma tête, la grosseur, combien il y a ? 575 grammes. Je suis désolée, j'ai pas vlogué, il y avait trop de monde, trop de proximité. C'était pas possible de sortir la perche. Il faisait une chaleur. On est resté 3 heures sur cette terrasse. Bon, c'était très bon. J'ai pris des moules frites avec une petite sauce roquefort. Et en dessert, on était 6. J'étais la seule à rien prendre. Parce que je me suis dit non, par rapport à ce matin. Et je préfère me réserver pour ce soir si on mange une petite glace avec une série. Je vais aller chez Action. Enfin, j'attends Eric. Il va m'emmener parce que ma voiture est toujours en panne. Pour voir, comme je vous disais, les arrivages, pour compléter 2-3 petites choses et faire un complément de course aussi. Quand je vous dis qu'il fait très chaud, hein, je vous ai pas montré ce que on m'a ramené hier. Des chocolats, mais pas n'importe quel chocolat en plus. Hein. Et ça, je n'ai même pas eu le temps de voir. Ah oui, quand même. Les meilleurs macarons en plus. Oh là là. Comment tu veux que je résiste? Voilà. Mais voilà chez Action, c'est parti. Ah, elle est jolie cette pâtère. Mais bon, j'en avais déjà pris une, sinon pas mal du tout. 6,49€. Ah bah d'accord, dévalisé, je voulais voir les nouveautés, mais il y en a plus. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de vider énormément de choses. Ah, ils ont sorti des énormes coussins, franchement. T'en mets 1, 2, 3 comme ça, les uns sur les autres. Ça fait une petite ambiance sympa. Hein. Ils sont grands. Ah ouais. Dans une autre collection, format plus petit, et ben pareil, très joli, et j'ai l'impression que la finition est pas mal, ça fait chic, hein. 3,99€, je viens de tomber sur ce petit meuble, banc, étagère, chaussures. Oh, il est chouette, vraiment il est chouette, hein. 16,95€, combien 70 par 30, peut-être pas assez grand pour nous quand même. Il y a plein de draps où c'est tout, mais j'ai vu c'est 50% jersey, 50% coton. Moi, je voudrais 100% coton, quoi. Pour un draps où, ça vaut mieux. Hein. Est-ce que vous connaissez, vous, pour me dire, moi, s'ils sont bien? Donc, il y a vraiment tout, quoi. Draps où, thé d'oreiller. Ouais, non, je préfère pas prendre. Il fallait que je vous montre quand même cette malle en velours. Je la trouve très, très jolie. Pareil, ça vous donne un petit peu la dimension. J'ai pas envie de la toucher. Il y a la même en noir, 19,95€. Elle est chouette, hein. Et il y a les pieds, 4 pieds inclus. Donc en fait, ça se positionne en hauteur. C'est assez joli, je trouve. Si je vous dis que j'ai eu très chaud, vous me croyez? J'ai acheté des choses auxquelles j'avais besoin. Ça, c'était les pousse-pousse, je les aime beaucoup. Ils sont beaux. Au citron, ça va pour la salle de bain du haut. Son gel douche noir, là, Axe. J'en ai pris deux. Comme ça, les sacs pour la litière de Jack, ils sont vraiment bien ceux-là. Et puis, deux gels douche, ça. Et fleurs d'oranger. Ensuite, chez Action. Plein de choses se trouvent à l'intérieur, parce que je vais vous faire une vidéo dédiée, dégustation de choses un peu bizarres, enfin, qui me donnaient envie, qui me donnaient pas envie. Enfin, vous allez voir ça, quand ça sera dans la vidéo demain ou sinon après-demain. Ça, je vous montre pas. Et puis, petite supérette à côté. Des trucs pour compléter, des pizzas. J'ai pris ça pour aller avec mes muesli, évidemment. La pizza, ma préférée. Un peu de fromage. Hop, j'en fais 3 pour aller avec les muesli. Ça, parce que je compte faire ce soir des pâtes au Saint-Jacques. Donc, je vais mettre un petit peu de crème légère. J'ai repris un sachet de Saint-Jacques, j'arrive. Et également, ça faisait longtemps, leur petit pavé milanais. Alors, je suis désolée. Mais j'avais totalement oublié de vous reprendre. On a mangé, j'ai fait des spaghettis donc au Saint-Jacques, c'était très bon. On s'est posé, il est 23h30. Je voulais vous montrer donc la courette, mais en fait, c'est peut-être pas le moment parce qu'en fait, l'élément qui fait vraiment l'éclairage top, il y en a un éclairage à nouveau, mais celui qu'on veut vraiment, ambiance lunch, on n'a pas encore mis. Donc j'attendrai plutôt, ce sera plus sympa. Demain, je vous ai dit, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Et après, le reste du temps, je reprends les vlogs. Voilà, je fais un gros bisou. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse. Salut.